Salut tout le monde, c'est Clémo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FIFA. Attendez, j'approche un peu plus le micro, je sens qu'il est un petit peu loin de moi, ok. On se retrouve pour une vidéo FIFA aujourd'hui, donc il est 19h22, on est le 11 février 2015. Voilà, j'ai oublié de dire l'heure et la date dans la dernière vidéo. Voilà, c'est une habitude que je prends, tranquillou, voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite ambiance, une nouvelle fois. Et donc on se retrouve, on va aller voyager un petit peu vers le nord, vers la mer du nord, la mer Baltique. C'est comme ça qu'on dit, la mer Baltique, tout ça, je sais plus où c'est là-haut. Enfin, on se retrouve pour l'ambiance celtique ce soir. Donc voilà l'équipe qui va être composée d'Écossais et d'Irlandais. Voilà, donc c'est une équipe aussi composée de, on va pas se le cacher, de 60% de roux. Voilà. Donc voilà, c'est une équipe composée de 60% de roux, donc voilà, c'est que ça reste quand même une équipe assez particulière, hein, dans le fond, voilà. En remplaçant, on s'est pas fait chier, voilà, on a mis des joueurs bronze, pas rares, voilà, des petits généraux pour tomber contre une équipe tranquille, quoi. Je sais pas si ça marche vraiment, ça, parce qu'avec la dernière équipe, on est quand même tombé contre une équipe forte. Mais bon, voilà, on les pardonne, hein, voilà, ils sont jeunes, 92, 96, voilà, lui, il a presque mon âge. Voilà, on a lui, voilà, 95, ça reste quand même assez jeune. Et puis voilà, par contre, toi, ouais, ouais, toi, tu m'as l'air assez vieux. Ouais, 88, voilà, lui, c'est pas possible. Voilà, 1988, t'as quoi, t'as 26 ans, t'as 55 de général, par contre, toi, c'est pas possible. Voilà, 55 de général à 26 ans, moi, j'aurais même pas, j'aurais demandé une suppression du jeu, tu vois, c'est chaud. Donc voilà, donc petite équipe, t'as vu, petite équipe du Nord, hein, avec du Mac et Steven qui coûte assez cher. Les joueurs irlandais qui ont beaucoup augmenté, t'as vu. Bon, c'est vrai qu'on a Wakazo en milieu gauche, c'est pas le plus celtique des joueurs que j'ai pu trouver sur le marché, mais t'as vu, il apporte un petit peu de grinta à l'équipe, il apporte un petit peu, t'as vu, il apporte un petit peu de saveur, tu vois, de saveur lointaine, t'as vu, il rapporte un truc, Wakazo, tu vois. Après, en BU, on a Shane Long, voilà, c'est un des joueurs pas rares qui coûte le plus cher. Voilà, et nous avons aussi Griffiths, par contre lui il me fait, je sais pas pour vous, hein, mais lui il me fait très très peur lui. Je t'ai mis mal à l'aise, hein. Je t'ai mis mal à l'aise, je le sais que je t'ai mis mal à l'aise, donc bon, ouais, ce soir on va se lancer un petit match, on va le lancer en bouclier champion, t'as vu. Ok, on a trouvé une petite partie, ça sent bon, ok, petite partie rapide, ça joue avec la même formation que moi, le terrain est dégagé, le terrain ne pleut pas. Et le terrain ne pleut pas. Et le terrain ne pleut pas. Jaratz BPL. Ouais, je vois ta petite BPL. Balotelliste lead. Ok, ok, ok. Avec un joueur que j'affectionne en MC. Il a Barclay. Ouais, Ramsey, Cazorla. Ouais, on va essayer de se taper ça tranquillement. Hein, t'as vu ouais, Cherry Cheese, Mangala en défense. Ouais, par contre, t'as mis Frostrer ou je sais pas quoi en gardien. On va le défoncer. Non, d'où il pleut. Il y avait marqué dégager, monsieur. McGeady. Oulalalala, McGeady. Ça va skiller dans cette équipe, mon gars. Ouais. Ouh là là, c'est chaud, hein, c'est chaud, hein. Ça commence sur les chapeaux de roue ce match. Ah ouais, 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 ça lance Daniel Sturridge. Et Clémo qui se fait prendre un but dès le début du match, c'est chaud, hein. Ouh là là, ballot. Mais pourquoi à chaque fois dans mes ambiances trucs, je me fais péter, quoi. En étant poli, je me fais péter, quoi, tu vois. Là, c'est chaud, hein, parce que, eh, poto, cette équipe-là, elle est plus forte que l'autre, hein. Donc voilà, faut réagir là. Putain, mais il pleut aussi là. McCarthy, allez. Voilà, limite du hors-jeu, c'est bien ça, McGeady. McGeady, toi tu finis, t'es le patron de l'équipe. Match, il est mouvementé, hein, t'as vu. Tu t'attendais pas à ça. Ouh là 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 là. Ok, Maké. Tu sais quoi, je vais partir en skill avec Maké. Non. Pas le droit de perdre le ballon comme ça. Pas le droit, on a dit. Pas le droit, on a dit. Non. Dégueulasse, dégueulasse. On est marre, là. Putain. Ok, mi-temps. Ok, mi-temps. 3-2, t'as vu, on s'en sort pas trop mal. Mais on va essayer de renverser la tendance en deuxième période. Ça reste assez compliqué quand même à se procurer des occasions. Mais on en a eu plus que dans la dernière ambiance. Dans la dernière ambiance africaine, c'est vrai qu'on en a pas eu beaucoup. Hein. Donc, on devait se contenter de juste sauver l'honneur, alors que là, on va se contenter vraiment de gagner le match. Donc voilà, c'est intéressant, t'as vu. Shane Long, ça passe bien pour Mac et Steven. Wakazo, on l'a pas vu dans ce match, hein, Wakazo. Hein. C'est chaud. Hein. On t'a pas vu, mon pote. Hein. Putain, arrête de dire y'a faute aussi, là. Fais pas genre tu jongles, Rémi, comme ça pour donner. En plus, je sais même pas donner le ballon. Regarde, arrête de courir comme ça avec ton storage, là.
putain, c'est chaud, j'en ai marre des joueurs comme ça. Oh là là. Allez, mauvaise relance, une mauvaise relance. Une mauvaise relance, t'as vu? C'est pardonné ou pas? Parce que tu vois, il a fait une mauvaise relance, il faut qu'on remonte dans le match absolument. Voilà. Il a mis des buts de merde, on va pas se le cacher. Une mauvaise relance, on profite. Ah là là, il va faire que de courir, il fait que de courir avec son Loïc Rémy. Oh là 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 là, si vous savez à quel point c'est chiant de jouer contre un mec qui joue comme ça, mais ouh là 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 là, on a encore espoir de rentrer dans le match, on a encore espoir. Il y a 4-3, c'est vraiment peu, une égalisation, on ira en prolongation. Allez, allez, touche pour nous, on va se craquer. Allez Wilson, marque de rasoir, allez Reynolds, marque de stylo, on a que des marques dans cette équipe. Allez, 89ème, il faut égaliser dans ce match, allez, on tente le tout pour le tout. On se met en attaque de machin, je sais pas quoi, bidule chouette, Shane Long, allez, trouve l'espace, c'est pas fini mon gars. Et prolongation, on va pas se le cacher, c'était chaud ce match, on continue, ils sont à bout de souffle, ils sont au bout du rouleau les joueurs, t'as vu, ils sont cassés là, poteau, hein. Ils sont cassés, regarde leur état, regarde comme ils marchent de profil et tout, c'est chaud, hein. Quand un joueur il marche de profil comme ça, c'est hyper chaud. Non ! Attention à la contre-attaque, hein. On la sent. Hein. Loïc Rémy qui va partir en tout droit. Sacré Loïc ! Sacré Loïc ! Putain de Loïc Rémy de merde là. Putain, il m'énerve, t'as vu ce qu'il fait ou pas ? T'as vu ce qu'il fait ou pas ? Ah là là, il va partir tout droit. Il va partir tout droit ce bâtard. Il va partir tout droit, putain. Après, tu vois, qu'est-ce que je peux faire? T'as vu, j'ai pas. Je suis désolé, hein, t'as vu, on me reproche de perdre des matchs et tout, t'as vu, mais je peux rien faire là. C'est hyper chaud. C'est hyper chaud, il va tout droit, j'ai des défenseurs qui courent pas super vite. Je suis désolé les gars, mais je peux rien faire. Je fais tout pour, hein, tu vois, mais... Surtout que le gardien, c'est une vraie merde, là, sur cette case. Il peut l'arrêter, hein, mais moi, je l'arrête, hein. Et ben, non, fin du match, hein, la malchance s'abat sur nous. T'as vu, on a rencontré le mauvais adversaire ce soir. C'est dommage, parce qu'on avait vraiment les armes pour passer devant, mais t'as vu... voilà, il a joué toute sa vie dans le match, t'as vu, nous, on l'a pris un petit peu à la rigolade. Voilà, c'est qui a marqué? McGeady, Mac et Steven... Long, je sais même plus là, voilà, j'ai passé la cinématique. Donc voilà, voilou, c'est bientôt la fin de sa vidéo, mais on va pas se lâcher tout de suite, on va se lâcher avec une petite histoire de Clémo, t'as vu, parce qu'on doit en refaire une un peu. Voilà, t'as vu leur note, voilà, 9-6, il y a que eux qu'on marqué. Il a produit aucun jeu. Mais bon bref. Voilà, je reste un petit peu énervé, je garde un petit peu ma rage en moi, parce que je suis en vidéo, t'as vu, mais je serais vénère, hein, si tu vois ce que je veux dire. Bref, petite histoire de Clémo. Tranquillou, donc vous allez tout simplement imaginer quelque chose, et voilà, vous allez imaginer un pack opening, et je vais vous montrer ça en vidéo, ça va être plus simple, t'as vu, je vais pas te faire imaginer un pack opening, je vais te montrer ça en vidéo, et imagine, t'ouvres un pack opening, t'as vu, non, t'ouvres un petit pack, et il se passe ça. Bon, moi j'ai bien envie de m'ouvrir un petit pack là. Vas-y, on va voir ça. Hein. Alors, pack or, vas-y, on va se faire un petit pack or. Pack premium or, vas-y, c'est ça. Hop. Vas-y, on va s'ouvrir un petit pack, hein, tranquillement. Non ! J'ai eu Martin Matin ! J'ai eu Martin Matin là. Oh là, la tête d'homme, j'ai eu Martin Matin. Ok, j'espère que t'as apprécié cette vidéo, cette petite histoire de Clémo aussi. Donc voilà, tu m'envoies dans les commentaires si ça t'a fait rigoler ou pas, t'as vu. Ou tu m'envoies pas dans les commentaires, tu sais, tu fais ce que tu veux, hein, libre arbitre à toi de faire ce que tu veux, t'as vu. Mais voilà, aussi à la fin de la vidéo, je vais rajouter un petit truc, voilà, les petits endings de vidéo, voilà, pour consulter ma dernière vidéo ainsi qu'une vidéo mystère. Voilà, si tu veux savoir ce que c'est que la dernière vidéo, à toi de la consulter, t'as vu. Moi je te laisse faire ce que tu veux, on est en démocratie, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais moi je te conseille d'aller voir la vidéo mystère. Allez, ciao, à la prochaine, je te laisse, et reste actif sur Clémo Fut, hein. Allez, ciao, à la prochaine.